Alors, Aliora fabrique des coffrets ou des boîtes. Pour nos clients, ce sont le jeu, c'est la cosmétique, c'est le champagne. En fait, ce sont tous les produits que l'on peut mettre dans une boîte ou dans un coffret. Donc, nos segments de marché sont très, très larges. Avoir beaucoup d'intérimaires dans une entreprise, ça peut être perturbant. C'est-à-dire qu'on a pu avoir jusqu'à une cinquantaine, soixantaine d'intérimaires, voire même au-delà de ça. La première fois avec Aliora, j'ai rencontré le gérant de l'entreprise qui m'a fait un tour d'atelier dans son entreprise et qui souhaitait automatiser certaines tâches pour gagner en efficacité et en productivité. On va partir de ce qu'on appelle un carton gris sur lequel on vient contrecoller un habillage. Et ensuite, on va former le coffret. Et le coffret, il est constitué de deux parties, la cuvette et le couvercle. Donc, une fois qu'on a fait la cuvette, on va mettre dedans une cale. Derrière, dans la cale, on peut être amené à mettre le produit à l'intérieur. Ensuite, on va fermer le coffret. Ensuite, on va mettre ce coffret soit sous cellophane, soit sous ce qu'on appelle un polybag. Une fois que ça c'est fait, on va mettre le coffret dans une caisse américaine. On va fermer la caisse américaine et la caisse américaine va être mise sur la palette. Et le robot qu'on a choisi permet de faire cette dernière étape, de poser la caisse américaine et de la mettre sur la palette. C'est vraiment les tâches les plus pénibles, c'est vraiment les postes d'emballage. Et on a envie d'automatiser toute la partie, la mise en caisse et la palettisation. Nous avons fait venir un palettiseur, la solution robotique, pour montrer aux clients comment fonctionnait le système. Et suite à cette démonstration, il a décidé d'investir dans la solution complète, solution de palettisation et robot. Alors, pour lancer un premier programme, une première palettisation, j'ai mis, on va dire, moins de 3 quarts d'heure. Moi, je ne suis pas roboticien, je ne suis pas automaticien, mais tout de suite avec David Pourriot, il m'a expliqué et en 3 quarts d'heure, j'ai compris le fonctionnement, quoi. En une semaine, c'était mis en route et ça marchait très bien, quoi. Moi, ça m'a apporté de la confiance et le personnel sur ligne, ben, tout de suite, ont vu que c'était facile et que ça marchait bien, quoi. Donc, ça allait les soulager et donc c'était bénéfique pour tout le monde, quoi. On s'est demandé pourquoi on n'y avait pas pensé avant, parce que c'est vraiment un soulagement pour le personnel. Les caisses sont assez lourdes et c'est vrai qu'on commence à avoir mal au dos, tout, donc c'est important d'avoir un robot. Le fait d'avoir des robots permet en fait d'avoir une ligne beaucoup plus fluide, et c'est ça qu'on a voulu solutionner. Alors, le ROI, on va l'avoir très rapidement. Puisque ce qui coûte très cher, c'est la main-d'œuvre, surtout de la main-d'œuvre intérim. Donc ça, c'est un premier ROI qu'on va avoir. Le deuxième ROI qu'on va avoir, c'est en termes de nouveau de maladies professionnelles, parce qu'on a moins de gens qui sont arrêtés. Et puis, sur du long terme, on aura moins de difficultés de ce point de vue-là.